dans le but d'encourager les responsables des établissements d'enseignement primaire et maternel à garder les écoles propres, la mairie de la ville de Douala a lancé tout récemment un concours baptisé « Concours de l'école la plus propre de Douala ». Pour cette première édition, elles sont 60, donc 6 par arrondissement, sur la ligne de départ. Pour y arriver, elles ont reçu des mains de l'exécutif municipal, Madame Adzogo, du matériel de propreté lors d'une cérémonie représentée par plusieurs autorités. À travers cette remise de gadgets, s'y trouve un message symbolique. Le message que nous adressons à toutes les écoles qui vont entrer en compétition et même celles qui ne seront pas en compétition, c'est davantage promouvoir la propreté dans les écoles et d'utiliser ce matériel assez significatif que le maire de la ville a mis à leur disposition, d'utiliser ce matériel à bon escient. Dans un élan de joie, les responsables ayant reçu les différents gadgets semblent être prêts à relever le défi et utiliser le matériel reçu en bon escient. Un tel concours va apporter une sorte d'émulation saine. Ça va un peu rebooster notre morale et nous allons utiliser le matériel que nous voyons là pour un peu renchérir notre hygiène dans notre école. Précisons qu'en dehors de l'aspect salubrité, ce concours vise également la matérialisation de la décentralisation. La municipalité est donc appelée, dans cet élan décentralisé, à accompagner la structure d'encadrement des populations.